toi d'être dans une voiture sportive. Tu es un peu secoué là, je le sens. Et c'est libre, c'est une vidéo tous les dimanches matin avec le bol de café. Alors n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Le toucher de route me semble meilleur sur cette finition ST. Il a certainement dû être réglé un peu plus sport. Donc même en mode normal, elle est meilleure que sur la précédente Puma qu'on avait essayé ensemble. Ouais, sur route un peu chaotique, on sent bien l'amortissement ferme. Tu sens à l'arrière les amortisseurs, Panda ? Un petit arrêt au stand pour détailler d'extérieur rapidement. On est ici sur la version ST sportive. La différence se fait sur la calandre à l'avant avec ce petit signe ST qui veut dire que ça va envoyer du lourd. D'ailleurs, c'est marqué, voyez ici sur la lame à l'avant, Ford Performance. En termes de différence, elle se fait aussi sur les jantes et le freinage où on a des disques de frein de 325 mm de diamètre, étrier rouge, jantes assez sportives, siglée ST également, 225-40 par 19 pouces. Vous voyez que c'est assez fin, on a des bords de protection et ça, c'est bien pour les jantes. Autre différence, sur l'arrière, on a également le signe ST et une double sortie de pot avec, vous le voyez à l'intérieur, je vous montre, un système de clapet pour la résonance. Pour le reste, sur le dessous, on retrouve également la Magic Box qui est là et qu'on va aller voir dans le compartiment du coffre. Dans le compartiment du coffre, on l'avait vu dans le précédent épisode, on retrouve la Magic Box. Voilà, 456 litres au total, ce qui n'est pas si mal. Pour la catégorie, on a de la place avec cette tablette amovible. On retrouve la belle ligne générale du Ford Puma, que moi j'apprécie particulièrement en termes de design, hein, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Mais là, ça se confirme, même dans ce ton vert. Vous m'excuserez pour la propreté de la voiture, mais c'est pas évident actuellement de garder une voiture propre, hein, vu les conditions climatiques. Allez, on va aller voir le cœur de la bête. 1,5 litre EcoBoost, celui de la Fiesta ST. Et bien entendu, je ne pense pas qu'il y ait de miracle. On n'aura pas de Saint-Vérin sur cette version non plus. Voilà, effectivement. Petit cache plastique marqué Ford Performance. Voilà tout ce qu'on voit sur ce 3 cylindres EcoBoost, celui de la Fiesta ST qui fait 200 chevaux. Il n'y a pas de micro-hybridation sur ce modèle, pas de batterie électrique qui vienne assister le moteur thermique. Seul le moteur fait son office et ça marche plutôt bien. Boîte 6 rapports, 320 Nm entre 2500 et 3500 tours, 0 à 100 en 6 secondes 7 et la Vmax est donnée à 220 km/h. Il y a aussi la désactivation d'un des cylindres pour l'économie d'énergie. D'ailleurs, une consommation donnée à 6,9 litres en mixte. 1283 kg et un prix de 33 650 euros, qui n'est pas si mal par rapport au rapport prix-prestation. Notez sur les seuils de porte le Ford Performance, pour dire que c'est une version sportive, et les tapis surpiqués ST, pour l'habitabilité confère le précédent reportage. Où cette auto s'apprécie mieux, c'est sur la route, alors on va y retourner, c'est parti! Ce qui nous change à l'intérieur par rapport à la version précédente, c'est que je n'ai pas le bouton des changements de mode de conduite ici. En fait, ça se passe au volant. On a le bouton sport direct ici, voyez, et je peux rappuyer sur ce bouton pour repasser en mode normal. Donc voilà, sport ou normal, c'est le bouton d'accès rapide. Sinon, on a le bouton des modes de conduite sur le volant ici, et là, on peut changer entre circuit qui coupe le SP, l'éco, le normal et le sport. Voilà, c'est tous les modes de conduite qui figurent sur cette version ST. Ici, avec cette petite touche, on peut changer l'affichage central avec la pression des pneus, l'économie de carburant si on veut s'amuser à faire des économies. Là, j'ai un 8,9 litres de moyenne sur cette voiture sportive, hein, qui n'est pas significatif. Elle est donnée à 6,9 litres. On peut également avoir l'affichage sous cette forme-là avec la température d'huile, la pression d'huile. Vous voyez, la puissance du turbo et la température d'eau. C'est pas mal d'avoir fait ça au centre, c'est des choses qu'on voit rarement aujourd'hui. Et là, c'est bien de l'avoir sur cette version ST avec le fameux compte-tour. On a tout ce qu'il faut dans l'affichage sur cette voiture. Je vous fais profiter des compteurs sport en roulant avec tous les affichages qui
qui sont assez lisibles, bien que je trouve les compteurs un peu petits quand même. Ces compteurs digitaux qui font face à vous sont un peu petits. On a les sièges Recaro baquet. 0 à 106 secondes 7, Vmax, 220 km/h. 2008 et capture, tenez-vous bien. Allez, on va tenter un petit 0 à 100 en faisant pas trop patiner les roues parce que c'est mouillé. Ça va vite, ça marche très très fort. 6 secondes 7, franchement, c'est vraiment pas mal. Et jamais on ne saurait dire que c'est un 3 cylindres, je peux vous le dire. Incroyable. Le freinage est bien là, si on en a besoin, l'agilité. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était sur une Audi S3 quand même. C'est plutôt flatteur pour cette Ford Puma ST1. Faire corps avec la voiture un peu. Ça monte à 6500 tours ce petit 3 cylindres. Écoutez. Et après il y a le rupteur. Le rupteur s'enclenche justement à partir de 6500 tours. Bon, concrètement, on va pas y aller par quatre chemins. Cette voiture, c'est une réussite, il n'y a pas à dire. Celui qui a envie d'avoir un SUV un petit peu familial et un petit peu sportif, eh bien c'est une bonne réponse. C'est pratiquement les seuls sur le marché à proposer ce type de catégorie. Et c'est bien. Par les temps qui courent, c'est bien des propositions comme celle-là. Des autos un peu plus piquantes, avec un peu plus d'âme, c'est vraiment pas mal. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh ben dites-le aussi dans les commentaires. J'aime bien vous lire, surtout quand c'est constructif. Alors oui, je suis le premier surpris, mais un 3 cylindres peut être sportif. Effectivement, et on ne sent pas les vibrations de ce moteur, même à l'arrêt. Moteur 1,5 litre EcoBoost. Qui équipe également les Fiesta ST. Si vous avez aimé cette petite vidéo, un petit pouce bleu dans ce sens-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, pendant ce temps-là, je repars un peu dans le monde du sport avec la Ford Puma ST. Ciao! Salut Panda! S8 dans le soleil, que c'est beau. Check du coup. Salut Frédéric, merci d'être là aujourd'hui pour partager ta belle auto parce que franchement, on peut pas dire le contraire. 2007, je crois, ouais, et ça n'a pas vieilli. Ouh là là, mais dis-moi, t'es équipé en carbone céramique? Tout à fait, en céramique. Oh là là là. Écrit 6 pistons à l'avant, écrit flottant à l'arrière. Ouais. On va voir après. Ouais, ouais. Mon Dieu, voilà. Mais ça, je sais que ça coûte une blinde à changer. 4 000 € le disque. Bon, t'as pas changé pour l'instant. Non, ça fait la vie de la voiture. Elle fera la vie de la voiture. Ouais, parce qu'ils sont plus solides que les aciers, ouais. Hein, c'est ça. Tout hein. À fait. Et alors, je vais te poser peut-être une colle. Ouais. Sais-tu comment savoir que ton disque est usé? Sur un carbone céramique? Sur un carbone céramique. Parce un que acier, acier, tu vois les, c'est l'épaisseur. L'épaisseur, le bord, ouais. Tu vois le bord, ouais, c'est ouais. Ça, c'est une bonne question, alors. Voilà. Sur un carbone céramique, alors, pas d'usure. Il n'y a aucune usure. Bah, alors, c'est fou, ça. Je sais pas si on va arriver à le voir à la caméra. Ouais. Alors, c'est pas ici. Il y a le poids du disque qui est indiqué. 7341 grammes. Voilà. Quel choix malin. Quel choix malin ouais. D'acheter des voitures comme ça, des autos qui décotent à fond. Bien sûr. Au bon moment. Au bon moment. Oui, il y a un instant où il faut l'acheter. Et qu'il n'y avait pas trop de kilomètres. Et tu as eu le nez fin, tu l'as fait au bon moment.